Donc déjà, il faut qu'on ait la victoire, ça c'est sûr. On sait que comptablement, il nous reste 6 matchs. Si on gagne les 5, on sera obligatoirement dans les 6, même en n'ayant aucun point de bonus offensif. Si jamais on gagne que les 4, c'est sûr que 2 ou 3 points offensifs et 1 ou 2 points défensifs, après, ça dépendra des résultats, peuvent nous mettre aussi dans les 6. Donc on va essayer juste de se concentrer sur ce qu'on peut faire. Et on va essayer donc de commencer. Il nous reste 6 matchs. Je vais commencer par gagner contre Bourgoin. Et après, bien sûr, c'est sûr qu'on va essayer de tout faire pour prendre le maximum de points. Même si voilà, Bourgoin, ça fait 2-3 semaines qu'ils jouent assez bien. Ils ont fait le pari de faire jouer beaucoup de jeunes. Ils préparent la D2. Ils ont été même très malheureux. Le résultat contre le Racing, quand tu vois le match, la physionomie, le score est très très sévère. Mais donc, ouais, voilà, on va essayer nous, voilà, d'essayer de... d'être fidèle à ce qu'on sait faire et surtout voilà, j'espère qu'on va pas mettre une demi-heure avant de rentrer dans le match et qu'on va essayer de mettre autant d'envie et d'appétit qu'on a pu mettre à Clermont-Ferrand. Déjà on va se concentrer sur Bourgoin, après on aura une semaine où on va s'entraîner comme des fous et après on va jouer Castres et après on aura le Racing et après déjà là on aura fait déjà encore 3 matchs de championnat, il en restera plus que 3, on en saura beaucoup plus. Mais a priori, de toute façon, je pense que sur les 10-11 blessés, on a pas mal de joueurs qui vont rentrer. Je pense que Bruno sera prêt pour Perpignan. Johnny Wilkinson, c'est le dernier match qu'on l'a pas. Je pense qu'on va commencer à récupérer des joueurs. Après, une carte finale d'Heineken Cup, ça se joue pas. Ça se joue pas avec le frein à main. Hein. T'es à 3 matchs. D'être champion d'Europe, et si t'es champion d'Europe, t'es qualifié en Heineken Cup aussi. Donc, après, pour l'instant, on parle pas d'Heineken Cup, je veux pas en parler à mes joueurs, je leur ai dit, vraiment, on se concentre sur le top 14 et faisons ces 3 matchs, essayons d'être le plus efficace possible, et après, on fera les comptes dans 3 matchs.